Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue au débrief de l'actu. Ce soir, on va s'intéresser à cette désormais affaire Lydiane Taba. On se souvient, depuis le 25 juillet dernier, suite à un tragique accident, la jeune dame rendait l'âme. Les obsèques étant prévues cette semaine, la famille crie au scandale du fait que l'auteur de cet accident, notamment le sous-préfet en question, serait libre, relax. Et du coup, on parle d'un collectif d'avocats constitué pour défendre la cause de Lydiane. Ce collectif d'avocats a porté l'affaire au niveau du tribunal militaire. On parle déjà des crimes d'une femme qui était pourtant enceinte. On va essayer tout au long de ce débrief de creuser, de comprendre ce collectif d'avocats. Pourquoi faire? Pour quelles retombées? De quoi s'agit-il exactement? On ne sera de comprendre les pourtours, voir les détours, les alentours de cette affaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le débrief de l'actu avec les invités des hommes de droit, juristes, journalistes qui vont nous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. On commence par celui qui a plusieurs casquettes, homme multiangulaire, multidimensionnel. Mais de lundi à vendredi, il est avocat au barreau du Cameroun. Maître Mamaï, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Bouba. Comme vous l'avez indiqué, je suis avocat, c'est ma profession, mais c'est un état d'esprit aussi. Donc, du lundi au vendredi, certes. Entre-temps, vous faites beaucoup de choses, c'est pour ça que j'ai dit que vous êtes un homme multiangulaire, multidimensionnel. Maintenant, vous voulez décliner d'autres casquettes, parce qu'on vous a convié sur ce plateau. La profession d'avocat prime sur tout le reste. Donc, les autres activités sont des activités ce soir, pour ne pas dire connexes. Mais en réalité, ce que je voulais dire, c'est qu'on est avocat dans l'âme. C'est ça qui est important. Merci, Maître Mahomayi, pour vos éclairages. Vous êtes une figure déjà emblématique sur ce plateau, plateau de Canal 2 International, pour tout ce que vous faites pour nos téléspectateurs. Lui, c'est un journaliste. Il a suivi de près. Il est responsable des pages Société au quotidien Le Jour, qui a titré à sa une, qui a mis à sa une un collectif d'avocats pour défendre Lydiane. Ngibous, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Prince Ngibous, c'est bien ça. C'est bien ça, le quotidien Le Jour. Au quotidien, vous faites quoi là-bas, au quotidien Le Jour exactement? On fait du journalisme classique, on collecte les informations, on les traite et après on les diffuse. Ok, d'accord. On fait là-bas. La une de ce jour, je crois, est consacrée à Lydiane et dont vous étiez responsable exactement, de cette page. Exactement, le quotidien Le Jour a consacré ce matin dans son édition de ce matin toute une, parce que nous jugeons que c'est une affaire très grave. Et vous voyez une famille qui vient de perdre une jeune fille de 23 ans, une fille à la fleur de l'âge. Jusqu'à présent, les circonstances de ce décès restent toujours floues. Donc nous avons estimé que c'est une préoccupation qui mérite d'être connu par le public. Merci de la peine que vous donnez venir pour clarifier la lanterne de nos téléspectateurs. Lui, c'est un juriste. Il est aussi habitué de ce plateau. Notre ami Bessala, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Abouba, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tes millions, un million de téléspectateurs canadiens internationaux qui nous font l'honneur et le plaisir de nous suivre, de nous écouter. Nous sommes là certainement, vous savez, à chaque fois que la République se réveille, la République du Cameroun, son idéal reste toujours de construire un état de droit. Et dans cette logique, vous ne l'avez pas rappelé aussi, je suis homme politique et militant convaincant et convaincu du rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est aussi dans cette logique que nous accompagnons le président Paul Biya, qui a fait, il faut toujours le dire, un serment ou alors pris un engagement historique de construire une démocratie et de laisser la prospérité au Cameroun. Donc, construire la démocratie signifie donc établir ces règles-là qui nous conduiront
à cet état de gloire-là. Voilà pourquoi nous sommes là, lorsqu'il y a une situation comme celle-là, pour clarifier la situation à nos citoyens, à nos téléspectateurs, pour qu'ils essaient de comprendre avant que la manipulation, vous savez, ne prenne le pas le dessus sur la vérité des faits et surtout la science. Donc, voilà. Merci. Voilà, vous avez compris, hein, c'était une omission de ma part, n'avoir pas présenté l'autre casquette politique à travers son déroulé. Vous avez compris qu'il s'agit bel et bien d'un homme politique, précisément du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Manque à l'appel un ancien commissaire connu sur le nom du commissaire X, transformé plus tard en journaliste, directeur de publication. Bilois, ici, certainement pris dans les embouteillages, va nous rejoindre. Il pourra nous expliquer un peu le technique d'enquête policière pour qu'on puisse un peu être bien situé sur ce tragique accident qui a coûté la vie à une fille de 23 ans. Pour être bien fixé, on va peut-être demander à notre ami du quotidien Le Jour, Prince Gimbous, qui a suivi cette affaire de bout en bout. Est-ce que on peut savoir qu'est-ce qui cloche exactement dans cette affaire, parce que on a suivi la famille après la levée de corps, remonter contre les autorités et même faire des promesses de vengeance. Que doit-on comprendre exactement dans ce tragique, dans cette affaire qu'on peut dire tragique? Oui, Bouba, c'est vraiment une affaire très complexe. D'abord, il faut dire qu'il y a une jeune fille qui a été abattue le 25 juillet 2020. Jusqu'au moment où nous sommes ici, les conditions de la mort, comme je le disais au début de l'émission, les conditions du décès tragique de cette jeune fille restent encore floues. Et plus, d'autant plus qu'on ne sait même pas celui qui est considéré comme le présumé assassin ou le présumé meurtrier. On ne sait pas où exactement où il se trouve. Donc les obsèques se sont déroulées le week-end dernier. Il est maintenant question que la vérité soit dite pour cette affaire-là, concernant cette affaire. C'est dans ce sens qu'il y a un collectif d'avocats qui a décidé d'aider un peu la famille de manière bénévole afin d'introduire les différentes procédures judiciaires dont on espère qu'ils permettront de faire en sorte que le public sache exactement ce qui s'est passé au quartier administratif de Kribi le 25 juillet 2020. Alors pourquoi les avocats se saisissent de ce dossier? Est-ce que ça suppose que la partie administrative n'a pas fait son travail ou alors la famille n'est pas satisfaite des résultats rendus? Tout à fait. D'abord, je peux dire que la famille n'est pas satisfaite. Vous avez bien vu ce qui s'est passé, même à travers les reportages des organes de presse qui ont couvert ces obsèques. Le chef du village de Lobeta regrette, par exemple, le fait que jusqu'au moment où nous sommes sur ce plateau, M. Derling et Banga est toujours le sous-préfet de la Lokundje. Je pense quand même que pour apaiser les tensions, on aurait déjà pris au moins une décision pour élever ce monsieur de ses fonctions de sous-préfet, le temps que la justice clarifie exactement ce qui se passe dans cette affaire. Je crois que la famille ressent un peu ce choc-là. Le fait qu'on ne sait même pas d'abord celui qui est considéré comme présumé meurtrier se trouve, et le fait qu'il soit encore maintenu à son poste de sous-préfet de la Lokundje. Alors, voilà. Quand vous dites qu'on ne sait pas où il se trouve, mais en même temps, il est sous-préfet, et donc il est sous-préfet fantoche qui est porté disparu. Il est sous-préfet parce qu'il n'y a pas encore une décision qui nomme un autre sous-préfet dans l'arrondissement de la Lokundje. On ne le voit pas, il s'est évaporé dans la nature. Je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas aux arrêts. Je ne peux pas dire exactement qu'il n'est pas aux arrêts. Mais à l'heure où nous sommes, la famille, les avocats qui se sont constitués pour soutenir la famille ne peuvent pas vous dire avec exactitude où se trouve le sous-préfet de la Lokundje. Ok, d'accord. On écoute cette affaire. On a un peu froid au dos et du coup on se pose la question, un sous-préfet qui est en fonction, il est introuvable, on le recherche, mais initialement on sait que dans la soirée du 25, il avait été interpellé, gardé à vue par la gendarmerie de cette localité, mais plus tard on apprendra qu'il a été relaxé
Et après, la famille dit qu'on ne sait pas où il se trouve. C'est quand même un peu curieux, non? Non, il faut déjà préciser que c'est une affaire pendante en justice. Ça veut dire que nous n'avons pas l'intention d'influencer les officiers de police judiciaire ou encore moins les magistrats, le commissaire du gouvernement, parce que c'est le tribunal militaire qui a compétence à juger des actes qui sont posés par avec l'aide ou alors l'utilisation de l'arme à feu. Voilà, selon le code de justice militaire du Cameroun. Ça veut dire que dans cette logique, nous contentons simplement de commenter les faits qui ont été posés de ce côté. Et dans cette logique, nous avons tous suivi que le sous-préfet, je pense pas que c'est le sous-préfet qui ait posé l'acte. Là, c'est le citoyen qui a posé l'acte, avait été interpellé et gardé à vue. Et que dans cette logique, il faut rappeler que les dispositions pertinentes du code de procédure pénale disent que si vous, M. Bouba, c'est pas un souhait, vous posez un acte et que vous n'avez pas été pris en flagrant délit, il faut le rappeler, l'acte était posé, il a été interpellé par la suite par les officiers et les agents de police judiciaire et qui font leur travail. Et ce que je voudrais encore ajouter, c'est que M. Bouba, dans cette logique, s'il a été relaxé, alors ça ne signifie pas que la justice ne poursuit pas ou ne continue pas. La justice suit son cours. Ça veut dire que la procédure est pendante. Et pendant qu'elle est pendante, en ce moment, j'ai aussi suivi un autre journal, vos confrères qui ont aussi exposé certains faits selon lesquels sa résidence était sous haute surveillance par les forces de sécurité. Ça veut dire que en ce moment, on peut l'interpeller à tout moment. Et que le médecin légiste aussi avait fait son travail, c'est-à-dire qu'ils ont fait posé une certaine expertise sur le corps et que actuellement les résultats de cette enquête-là ou alors de cette expertise sont entre les mains du commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Bulova. Et que lorsque vous avez ces éléments, il me semble que la procédure suit son cours. La pression qui avait été exercée par la famille, à la fois au niveau du commissaire du gouvernement, à la fois sur le préfet du département de l'Océan qui avait émis des réserves et a demandé que la famille attende, reprogramme ses obsèques pour que la justice essaie de rassembler un certain nombre d'éléments. Et que cette maison-là avait bel et bien été quadrillée, sécurisée pour la bonne manifestation de la justice. Et que la jeune dame à qui je présente encore les condoléances à sa famille ici a bel et bien été enterrée le week-end dernier dans son village natal et qu'actuellement la procédure suit son cours. Il n'est nullement question de présenter, comme j'ai lu dans l'article de mon copanéliste qu'il a rédigé dans le journal Le Jour, qu'il soupçonnait l'administration, le gouvernement de vouloir masquer cette affaire, de vouloir obstruer, mettre de l'obscurité. Que non, du tout, c'est une procédure qui suit son cours. Et il y a un élément essentiel, c'est que il reste présumé innocent jusqu'à ce que, lors d'un procès équitable, aussi lui qui a aussi les droits de la défense, je crois, soit établi comme coupable de ce crime-là. Jusqu'à présent, il reste encore innocent. Maintenant, on peut aussi comprendre qu'il y a une procédure en dehors de celle judiciaire, celle administrative qui voudrait que de certains citoyens, parce qu'il y a une justice qui est voulue par les citoyens, lorsqu'il y a un acte, les citoyens ont leurs sanctions, ont leur volonté, ont leurs prétentions, même devant la barre, quelquefois les parties civiles, la partie accusatrice, l'accusation et la défense ont quelquefois des prétentions, mais seul le juge, les magistrats qui sont formés pour cela ont la vision de sauvegarde de l'intérêt général dans le rendu de la justice. Donc, que les citoyens se calment, la procédure suit son cours. C'est vrai que chacun veut qu'on le débarque, chacun veut qu'il démissionne, chacun veut qu'il... Mais il a aussi des droits de présumés innocents qui doivent être sauvegardés et gardés et qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même le jeter à l'hégémonie ou alors à la verdict populaire. Maître Mangmaï, qu'est-ce qui peut justifier que après un tel acte,
fut-il un accident que un individu qui, entre guillemets, aurait commis un acte pareil soit encore en circulation dans la nature, qu'il soit dans un premier temps interpellé, mais après relaxé. Est-ce à dire que les enquêteurs ont suffisamment avancé pour établir ou alors élargir et blanchir, on va dire comme ça, le présumé, parce que c'est comme ça qu'on appelle présumé coupable. Disons que quand vous m'avez sollicité pour parler de ce dossier, j'ai eu en mémoire la valeur de l'émission que vous présentez, parce que je vous suis. Il y a une valeur aussi pédagogique. Il faut donc éviter dans les dossiers qui sont comme cela, il y a mort d'homme, d'être émotif. Il faut rester serein, parce que la justice elle-même, elle est sereine. Et à un moment donné, il ne faut pas que cette émotion prenne le pas sur la raison. La réalité est que, en matière pénale, il y a ce qu'on appelle une triptyque. Il faut qu'il y ait un élément légal, c'est-à-dire que la loi ait prévu une infraction. Il faut qu'il y ait un élément matériel, c'est-à-dire qu'il faut les faits. Qui, dans le cas présent, n'est-ce pas, c'est la mort d'une personne. Ça, c'est vérifiable et ça, c'est palpable. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'élément intentionnel. Et pour cette triptyque, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de rentrer en voie de condamnation contre une personne. Ça, il faut déjà que les gens le sachent. Et dans le cas qui est sur la table aujourd'hui, tout porte à croire que quand cet incident malheureux est arrivé, il peut s'agir d'une situation où il n'y avait que deux personnes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de témoins. Et s'il n'y a pas de témoins, comme nous ne sommes pas des divins, comme nous ne sommes pas dans une boule de cristal, on ne saurait dire, n'est-ce pas, si c'était de manière intentionnelle ou bien si c'était un accident. Encore qu'on peut aller gloser pour parler d'un accident volontaire ou d'un accident involontaire. Posons d'abord ce principe de base. Maintenant, mon voisin d'à côté a évoqué un principe qui est beaucoup plus important, qui est un principe constitutionnel qu'il faut respecter. C'est la présomption d'innocence. Et la personne aujourd'hui qui est mise en examen bénéficie de la présomption d'innocence. Parce que rien n'indique effectivement que c'est la personne qui volontairement aurait commis les actes. Quand on l'a dit, ce qu'il faut savoir, c'est que la justice ne court pas. Et le procureur, sûrement, qui est en charge de ce dossier, qui dans le cadre de cette infraction pourrait être appelé commissaire du gouvernement, parce que si on est dans le cadre d'une infraction militaire, parce qu'il y a un lien de rattachement à la justice militaire, ça veut dire l'arme utilisée, c'est une arme militaire. Le commissaire de gouvernement a des moyens d'investigation. Il n'est non plus un dieu. Il faut donc qu'il prenne du temps. Parce que, vous savez, le plus difficile dans le métier qui est le nôtre, et d'autres l'ont dit avant moi, c'est qu'il vaut mieux avoir une dizaine de personnes en liberté, mais dont on n'est pas sûr de la culpabilité, au lieu d'avoir un innocent en prison. Parce que ça fait beaucoup plus mal d'avoir un innocent en prison, n'est-ce pas, que quelqu'un qui est passé entre les mailles et dont on n'a pas pu établir la culpabilité qui se trouve en liberté. En fait, c'est une règle qui voudrait que le doute profite à l'accusé. Nous ne sommes pas encore. Nous sommes à une phase qu'on appelle l'enquête préliminaire. Et dans le cas d'un crime, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que l'information judiciaire est obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction qui est saisi. Et le juge d'instruction est enfermé dans des délais. Ces délais, pour l'instant, ne sont pas épuisés. Mais il y a un aspect, d'autres ont un peu, je ne vais pas dire éludé, mais c'est important de le dire ici. La garde à vue. Il faut savoir quel est l'intérêt d'une garde à vue. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans le système aujourd'hui qui est le nôtre, qui est un système qui s'est beaucoup inspiré du système anglo-saxon, la liberté, c'est le principe, et la garde à vue, l'exception. Et il a indiqué, mon voisin, que il y a ce qu'on appelle les garanties de représentation. Si vous avez un domicile connu, quel serait l'intérêt de vous garder à vue? Parfois, c'est pour le plaisir des yeux des autres. La maison carcérale, on peut effectivement, quand on a des doutes
sur votre représentation, n'est-ce pas, décider de votre placement, ce qu'on appelle la détention provisoire, quand on a été présenté par un juge d'instruction. Mais dès qu'on est encore à la phase de l'enquête préliminaire au niveau des OPJ, ils n'ont que la garde à vue. Mais la garde à vue est enfermée dans des délais. Et pour éviter de rentrer dans l'illégalité, n'est-ce pas, on ne saurait dépasser les délais de garde à vue, qui sont arrêtés de 48 heures, renouvelables, deux fois avec l'autorisation du procureur de la République. Et voyez-vous, les faits sont déroulés il y a plus d'un mois. J'ose donc croire, à l'état actuel de la procédure, que ce monsieur serait renvoyé devant un juge d'instruction qui, n'est-ce pas, a la possibilité, ça c'est son pouvoir discrétionnaire, de décider, n'est-ce pas, de vous placer en détention, comme le nom l'indique, provisoire, ou de vous laisser en garantie, disons, de vous laisser en liberté, n'est-ce pas, quand vous avez présenté des garanties de représentation. Et les garanties sont de plusieurs ordres. Vous pouvez présenter ce qu'on appelle les garanties personnelles, ça veut dire des personnes qui viennent et qui remplissent ce qu'on appelle un engagement de garant, qui prennent sur elles l'engagement de vous représenter à toute réquisition, n'est-ce pas, du master instructeur. Il peut s'agir aussi, n'est-ce pas, pour une personne qu'on peut appeler une personne publique, n'est-ce pas, de la possibilité, comme c'est, ça pourrait être le cas, on dit qu'il pourrait être assigné en résidence surveillée. Ce n'est pas des mots vains, mais c'est des mots aujourd'hui qui sont intégrés dans le code de procédure pénale au Cameroun. On peut, n'est-ce pas, laisser la personne en liberté pendant que l'enquête suit son cours. Maintenant, il faut savoir pourquoi doit-on garder à vue. On garde à vue pour éviter que la personne suspectée ou bien mise en cause ne puisse, n'est-ce pas, soit édulcorer les éléments de preuve. Parce qu'on parle des indices concordants à cette phase-là, pour l'instant. N'est-ce pas? Il faut que le théâtre des opérations soit sécurisé et qu'on ne puisse pas édulcorer les preuves qu'on peut aller chercher là-bas. Pour revenir donc à la situation qui est la nôtre, s'il est avéré qu'effectivement, il n'y avait que deux personnes, donc la preuve par témoignage est pratiquement exclue puisqu'il n'y avait personne d'autre. Il faut donc que les médecins avec un doigté pratiquement magique arrive à déterminer que le coup de feu qui est parti de manière intentionnelle. On va vous dire, il y a un angle ici, là, il y a un matériel concordant, un contordant ici, parce qu'il y a des expressions parfois hermétiques, mais qui en réalité ne peuvent se démontrer que scientifiquement. C'est le travail de médecin légiste. Médecin légiste. Et la médecine légiste, c'est une médecine, j'aurais pu dire, pas à la portée de tous. C'est parfois assez compliqué. Et voyez-vous, on joue quand même avec la vie des humains. Maintenant, la réalité, la personne est décédée. C'est ce qu'il y a de plus constant. Et c'est vrai qu'on se serait quand même attendu, il faut le dire. Quand il y a un mort d'homme, on peut quand même se permettre de prendre des mesures conservatoires. Parce qu'on doit aussi penser que la famille de la victime a des droits. Même psychologiquement, dans le cadre d'un apaisement, on aurait pu, je ne dirais pas, relever de ses fonctions, parce que sa culpabilité n'est pas encore établie. Parce que relever quelqu'un de ses fonctions, c'est que vous avez la preuve manifeste de ce que la personne aurait commis, n'est-ce pas, les actes qui lui sont reprochés. On aurait pu, de manière conservatoire, suspendre. Ça aurait pu créer un apaisement. Parce qu'on se serait posé la question de savoir, en l'état actuel, comme vous l'avez indiqué, mais vous l'avez indiqué de manière savante, comment peut-on, même psychologiquement, aller à son poste quand on a commis une infraction quelque part dans une localité? C'est quand même assez gros. Et que devient la famille en ce moment? Parce que si la personne présumée coupable a des droits, la victime ou bien sa famille en a aussi. Il faut donc trouver le juste milieu, n'est-ce pas? Il faut trouver une situation d'apaisement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans la situation actuelle, il faut que les autres l'intègrent aussi. Quand on est une autorité administrative, ou bien quand on est magistrat, on bénéficie de ce qu'on appelle un privilège de juridiction. C'est-à-dire qu'on ne saurait être jugé dans la localité où on a travaillé. Parce que rendez-vous compte, si par exemple un magistrat est poursuivi ou bien un sous-préfet, le sous-préfet c'est qui? C'est le représentant du chef de l'État. Que dans sa zone, n'est-ce pas, on puisse aller regarder dans la maison d'arrêt. C'est assez difficile. Ou bien que les procédures, n'est-ce pas, soient suivies dans sa localité. Habituellement, on délocalise. On délocalise les procédures pour éviter effectivement qu'on ne puisse violer la loi. Et dans le cas de l'espèce, c'est une autorité administrative et les personnes visées par le privilège de juridiction sont listés. Et ce monsieur en fait partie. Donc, pour ma part, pour éviter d'être long, comme je l'ai dit, dans une démarche beaucoup plus pédagogique, il faut intégrer tout. Intégrer tout, ça veut dire mettre tout dans le même panier. Il serait beaucoup plus juste, à mon sens, que provisoirement, qu'on prenne des mesures conservatoires, qu'on décharge un peu ce monsieur de ses fonctions, pendant que l'enquête suit son cours. Maintenant, il faut savoir aussi, il faut intégrer ça pour nous-mêmes.
qui prenons la parole en ces lieux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le secret de l'information judiciaire. C'est pas sur un plateau, effectivement, qu'on va dérouler tout ce qui peut se faire au niveau de l'information judiciaire. Sinon, on prendrait un peu plus de devant que celui qui est en charge du dossier. Donc, permettons-nous juste d'ouvrir des vannes, essayons de gloser, essayons de dire à l'opinion qu'effectivement, les faits sont là. La personne qui aurait commis ces faits ne peut pas être aujourd'hui à mesure de sortir du territoire. Je peux parier là-dessus. Parce que c'est une affaire qui a été rendue publique. Et pour mes confrères qui se sont, je peux dire, mis dans un collectif, ce n'est que juste. C'est notre rôle. Défendre les plus faibles. On en vient tout à l'heure pour comprendre un peu les retombées, l'objectif recherché à travers ce collectif. Mais je veux qu'on revienne un tout petit peu sur les circonstances même de cet accident survenu le 25 juillet. Officiellement, on dit que le sous-préfet en question était en train de nettoyer son arbre et puis un coup serait parti de manière accidentelle et ce coup a été malheureusement fatal pour la jeune Lydienne. Ce que revoque entièrement la famille qui dit que non, il s'agit là d'une une scène bien planifiée, orchestrée par le sous-préfet. Sur quel fait se base cette famille? Est-ce qu'il y avait un antécédent entre les deux tourtereaux? Pour l'instant, on ne peut pas dire. Vous avez bien dit, on dit, seulement c'est les on dit. Il n'y a pas de fait. Jusqu'à présent, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une jeune fille qui a été retrouvée morte. Elle a reçu une balle, elle est décédée. Je ne pense pas, cette version a été véhiculée, je ne sais pas, par les activistes des réseaux sociaux, je ne sais pas quel était l'objectif. Mais pour l'instant, Bouba, on ne peut pas dire avec certitude ce qui s'est passé. Même la famille de la jeune fille, tout ce qu'on peut imaginer peut-être, c'est que les deux entretenaient une relation amoureuse. Dans la nuit du 24 ou 25, la jeune fille quitte Giuseppe Douala pour aller retrouver son petit ami. Qu'est-ce qui s'est bien passé? On espère que la justice pourra nous dire ça un jour. Mais je vais un peu revenir pour répondre à mon frère Bissala qui a dit « Le sous-préfet juge tout à fait d'une présomption d'innocence, je suis tout à fait d'accord. » Et qu'on peut même le libérer, pourtant donné qu'il a eu un domicile fixe qui est bien connu. Que le moment où la justice saura qu'il y a des éléments un peu plus costauds, on pourra le juger devant les juridictions et peut-être on pourra le condamner. Moi j'estime que les faits sont suffisamment graves. Et il a dit qu'il n'a pas été pris en flagrant délit. Moi, je pense plutôt que lorsqu'on retrouve une arme à feu avec laquelle vous avez tiré un coup de fil, je ne sais pas, de manière intentionnelle ou de manière volontaire, je ne sais pas. Mais c'est un coup de feu, une arme à feu qui est partie comme ça et une jeune fille est décédée. Je pense quand même qu'on ne peut pas donner les justifications à nous dire qu'on peut d'abord trouver le domicile de ce sous-préfet. Il peut d'abord aller se reposer le temps où la justice déroulera de cette affaire devant la juridiction, qu'il soit jugé. Il est important que ce monsieur soit placé en garde à vue, rien que pour sa propre sécurité. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit en garde à vue. Et en second rôle, ça va également apaiser l'attention de la famille. Qu'on sache que ce monsieur est détenu. Je vais prendre pourquoi, par exemple, on a arrêté un premier ministre dans ce pays qui jouissait également d'une présomption d'innocence. On l'a envoyé à Kondengi. On n'a pas caché où il était. Tous les Camerounais savaient que le premier ministre est nommé éphémère à Kondengi. On a arrêté un secrétaire général de la présidence de la République. Il jouissait également de la présomption d'innocence. On l'a envoyé à Kondengi. Pourquoi une autorité administrative qui a tué, je crois quand même que le premier doit... Mais c'est grave. Non. Vous allez répondre, vous allez attendre d'autres tours de parole. Je crois quand même que le premier droit, c'est le droit à la vie qui est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Constitution et les autres éléments juridiques. C'est le droit à la vie. Si maintenant qu'il arrive qu'un sous-préfet a utilisé son arme à feu et ça a ôté la vie à une jeune fille,
Pourquoi il ne faudrait pas qu'on le garde aussi à vue et qu'il soit gardé à vue? Alors, les exemples que prend certainement Prince Guibous, il cite pêle-mêle des personnalités qui pourtant avaient des garanties de domicile et même des garants qui pouvaient les décharger. Mais là, beaucoup plus, ils étaient poursuivis dans une affaire dite Opération Épervier. Ils s'étaient amusés avec les fonds de l'État, qui me semble aussi ôter une vie à quelqu'un n'est pas la chose la moins facile, qui est aussi très compliquée. Mais ceux-là se sont retrouvés aussi curieusement en prison, tandis que même si le sous-préfet en question bénéficie de la présomption d'innocence, tout comme les autres d'ailleurs, comment comprendre ce un poids, deux mesures? Non, il n'y a pas d'un poids, deux mesures. C'est pour celui qui fera l'effort de rester objectif. Je ne sais quel intérêt mon copanéliste, le journaliste du journal Le Jour, a déclaré que le sous-préfet a utilisé son arme pour tuer. Il a dit « a tué ». Mais vous avez déjà prononcé la sentence. C'est ce qu'il fallait éviter sur ce plateau. Mon cher, présentons les faits. Les faits sont là. Tout le monde peut présenter les faits qu'il connaît. Et maintenant, ne fait faisons pas le travail des autres à leur place. Vous savez, moi, je ne sais que faire ce que j'ai appris à faire, ce que les autres font. Si vous me donnez de rédiger des papiers, des articles du journal Le Jour, là, je peux passer une semaine, je ne sais pas si je pourrais le faire. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que, M. Bouba Ngomna, lorsque l'information passe le stade préliminaire qui est coordonné soit par le procureur de la République ou alors le commissaire du gouvernement pour ce qui est de l'instruction militaire, on arrive au niveau de l'information judiciaire qui est coordonnée par le juge d'instruction pour les deux juridictions. Maintenant, pour les deux autres. Maintenant, au niveau du juge, le juge d'instruction, il jouit, Maître l'a dit tout à l'heure, d'une prérogative, des prérogatives discrétionnaires de vous garder, de vous garder ou alors de vous signer un mandat de détention ou alors de vous laisser en liberté. Eu égard aux éléments qui lui sont transmis dans votre dossier par le procureur ou le commissaire du gouvernement. Maintenant, vous avez vu, il a oublié de citer aussi qu'il y avait un ancien ministre au Cameroun que un juge d'instruction avait jugé nécessaire de le garder. Et par la suite, le même juge d'instruction a jugé nécessaire de le relaxer. C'était voilà. De l'inédit, un ministre en fonction. Non, je prends cet exemple. 24 heures après, ils sont sortis de là. Je prends cet exemple pour essayer de lui montrer que le juge d'instruction qui est face au dossier a donc tous les éléments nécessaires, soit même d'arrêter la procédure en vous relâche. Pour ce qui est de l'instruction militaire, et le juge d'instruction peut renvoyer votre dossier chez le commissaire du gouvernement parce que jugeant qu'il n'y a pas d'éléments nécessaires pour vous envoyer devant le juge de jugement. Et dans ce cas-là, que direz-vous si ça arrive, j'imagine. Donc, pour le moment, M. Bouba Ngomna, la procédure sur son cours normalement, et si peut-être sur le plan administratif, on ne l'a pas aussi dit, il y a une enquête administrative qui est en cours, qui doit établir sur le plan administratif ce qui a pu se passer ce jour-là pour que l'arme parte, soit détonée et arrive sur la victime pour qu'elle en décède, autant pour moi. Et que cette enquête administrative certainement va aboutir à des sanctions et à des décisions qui seront certainement administratives. Et celui qui a ce pouvoir, c'est le chef de l'État. Maintenant, l'enquête judiciaire suit son cours. Et pour le collectif d'avocats, M. Bouba Ngomna, j'ai lu que ce collectif d'avocats est en crainte, est dans une logique où je ne sais où va procéder à une demande de jonction de procédure, où va supplanter la procédure. Bon, j'ai pensé qu'un des membres de ce collectif pouvait bien nous expliquer ce qu'il en coûte. Parce qu'il y a d'autres, de chefs d'accusation qui ont été élucidés là, et une nouvelle plainte de ce qui est portée et déposée par ce collectif d'avocats là. Maintenant, est-ce que
Aujourd'hui, nous sommes de nature à penser que nous pouvons faire confiance aux autorités judiciaires qui, je pense, pour le moment, nous sommes dans tous les délais possibles. On ne pouvait pas garder le présumé innocent en garde à vue plus de 24 heures renouvelables deux fois. Nous sommes à plus d'un mois, il me semble que même si vous calculez, même s'il arrivait aujourd'hui qu'il soit détenu, ce serait une violation déjà d'une règle de procédure. Et s'il y a violation de la règle de procédure, ce monsieur pourrait aussi, il est dans son droit, de porter plainte aussi et d'engager une nouvelle procédure pour essayer d'attaquer et de rendre cette procédure nulle. Et si elle est nulle de manière absolue ou alors de manière relative, et là ce sera même une nullité absolue parce que ce sera du fait qu'une règle du droit de la défense, une règle de la partie de la défense a été violée, un de ses droits. Alors, dans ce cas-là, la nullité peut être absolue. Et si la nullité est absolue, vraiment, nous allons tourner en rond et nous allons recommencer une nouvelle procédure. Et pour que ça n'arrive pas, laissons donc ces officiers de police judiciaire sous la houlette du commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Bolova poursuivre leur travail. Et l'une des réclamations aussi pour chuter M. Boubangomna, parce que nous sommes là pour édifier ceux qui nous écoutent, c'est que on estime que la restitution des faits a été faite dans un secret à huis clos et bien sécurisé et militarisé. En même temps, le journal Le Jour ne dit pas aussi qu'il y avait des menaces de manifestation des populations du côté de Kribi lors de la levée, lors de cette restitution, avec des dames qui se sont constituées pour manifester et peut-être ça pourrait être violent et l'autorité, lorsque l'ordre public ou alors la sécurité publique sont menacées lors d'une étape de la procédure, la règle est claire, on essaye de mettre à huis clos, on essaye de réduire la publicité. De cela. Même un procès, si un procès va tendre à une violation de la, à enfreindre l'ordre public, voilà, à l'ordre public ou la sécurité publique, le patron de la juridiction peut requérir les éléments de force de l'ordre pour essayer de limiter les droits à la publicité de ce procès. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on écoute avec émotion M. Ngimbous, qui parle avec émotion et qui m'attelle à chaque fois qu'il y a une victime, il y a un mort, il y a une dame qui est morte, et ceci, cela, vous imaginez un tout petit peu si l'État ne prenait pas des mesures pour essayer de sécuriser. Nous ne devons pas atteindre le débordement. Le Cameroun est un État de droit. Il faut laisser ceux-là qui sont chargés, qui ont reçu mandat du peuple, reçu mandat de l'État de faire et de rendre justice. Je pense que les magistrats restent et demeurent encore la bouche de la loi dans ce pays. Okay. Et que, au-delà le temps d'une interprétation des éléments qu'ils disposent, d'accord, le temps de l'analyse des faits et des situations peuvent s'entourer des éléments pour il faut laisser le temps pour que la justice puisse faire son travail et que la procédure suive. Je vais revenir à vous tout à l'heure, Prince Guimbouz, mais je voulais sur la problématique que vous avez posée tout à l'heure, interroger Maître Marmaï sur cette question d'un poids, deux mesures. On a vu quand même des autorités qui se sont amusées avec les fonds de l'État, se sont retrouvées en prison, mais là, il s'agit d'un accident ou d'un meurtre qui a conduit à un décès d'une jeune dame de 23 ans. Est-ce que ces éléments-là, ces exemples-là pris, peuvent amener la famille à subordonner qu'il y a une certaine complaisance ou une certaine légèreté par rapport au traitement de ce dossier? Disons que, parce que je vous sais intelligent, je sais que vous avez la réponse à cette question. En réalité, un crime en vaut forcément un autre. Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que le crime, ce n'est pas seulement donner la mort. Il y a aussi la criminalité économique. En réalité, la définition du crime vient de la summa divisio qui porte sur les contraventions, les délits et les crimes. N'est-ce pas, dès que pour une infraction, la peine encourue est de 10 ans ou supérieure à 10 ans, vous êtes dans le crime. Donc, il y a la criminalité économique. Donc, en réalité, les infractions se valent à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faut intégrer, c'est que un juge d'instruction saisi, si c'est le cas, bien comme on parle du cas qui est le nôtre du conseil du gouvernement, et liberté d'appréciation. Il y a les éléments d'appréciation et puis il y a le droit
n'est-ce pas, qui donne un pouvoir discrétionnaire, la latitude au juge d'instruction de décider du placement ou de la mise en liberté sous garde ou bien sous caution. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le juge, il a son droit et puis il a la conscience. Donc chacun a la liberté d'appréciation des éléments qui sont posés sur la table. Mais ce qui est vrai, c'est que pour la procédure en elle-même, j'aimerais participer en contribuant par rapport à ce qui a été dit, pas pour faire insulte aux autres. N'est-ce pas, pour apporter juste quelques atténuements pour dire que tout à l'heure on a parlé de délit flagrant. En réalité, non. Mais il y a la flagrance qui est là. Parce que dans le temps voisin, le monsieur a été interpellé. Donc c'est un crime flagrant dans le cas de l'espèce. Donc notre copanéliste, sur cet aspect, a purement raison. Parce qu'en réalité, ce n'est pas comme une situation dans laquelle il y a eu mort d'homme et puis on commence à rechercher des mois après. Immédiatement après, la personne a été interpellée. Donc c'était sur le fait de l'action. Maintenant, moi je dirais ça c'est de manière personnelle, mais ne prenez pas cela pour dire. Ce n'est pas par ordre de vague. Je suis un peu gêné par rapport aux déclarations qui ont été faites. Je peux dire que c'est dans le fait de l'action. Mais si on va sur cet angle, c'est une très mauvaise défense. Dire que la personne est en train de nettoyer son arme, ça pose problème. Parce que je dis, tout porte à croire qu'il y avait deux personnes. À ce moment, on se serait posé la question, qui a fait les déclarations, n'est-ce pas, visant à dire que le sous-préfet est en train de nettoyer son arme et que le coup de feu serait parti. Qui a fait ces déclarations? Qui était là pour en témoigner? Maintenant, si ça devait être le cas, j'ai dit comme avocat, ce serait une très mauvaise défense. Parce qu'il y aurait même une faute par imprudence. Pourquoi choisir de nettoyer seulement son arme quand on est avec sa copine dans une chambre? Et puis, comment... les experts sur les questions... Il y a même des experts balistiques qui vont devoir travailler. Mais ceux qui sont habitués à manipuler les armes sont formels sur ce qu'ils appellent sécurité. Lorsque vous voulez exercer ce genre de choses, la première des choses à faire, c'est de retirer le chargeur. Très bien. Voilà. Donc, pour dire que ça, c'est juste de manière personnelle, mais je ne voulais pas prendre ça comme parler de manger parce que je suis venu éclairer. D'accord? Je ne voulais pas anticiper sur ce qui va se faire comme procès. Mais comme avocat, j'ai dit, c'est une mauvaise défense de dire que le monsieur est en train de nettoyer son arme. Honnêtement, c'est ça qui irrite. C'est ça qui irrite. S'ils vont sur cet angle-là, honnêtement, ils vont se confronter à plus d'une difficulté. Et ça amène donc à résoudre une autre question qui a été sous-jacente. N'est-ce pas la classification de la mort? Tout à l'heure, il a semblé dire par notre copanéliste qu'il a tué. Arrêtez, moi je ne dirais pas qu'il a tué. Je dirais qu'il y a eu homicide. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des homicides qui sont volontaires et des homicides qui sont involontaires. Et on peut aller plus loin pour chercher des éléments. Rendez-vous compte. Il peut y avoir deux tourtereaux, effectivement, qui baignent dans la joie. Mais puis, à un moment donné ou à un autre, il peut s'agir d'une dispute qui peut être comme une violence conjugale. Ou bien peut-être la dame serait allée rencontrer son amant dire pour lui signifier peut-être qu'elle entend rompre la relation. Nous ne tions pas là. Il peut avoir mal pris. Donc, toutes les hypothèses, on peut les mettre sur la table. Et s'il a mal pris? Non, vous allez avoir tout à l'heure. Des situations peuvent être effectivement envisagées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on pourrait aller plus loin. On pourrait aller plus loin. Si ça devait être une machination, on pourrait rentrer dans ce qu'on appelle la préméditation. Et si on rentre dans la préméditation, ça devient encore beaucoup plus compliqué parce que ça devient le meurtre par préméditation. Voilà, ça devient un assassinat. C'est-à-dire qu'un meurtre avec préméditation devient un assassinat. Donc, pour faire bref, puisque j'ai l'impression que mon compagnon est impatiente, mais c'est important que je continue. Très important. En mettant tout sur la table, j'ai dit qu'on ne peut rien exclure. À l'état actuel, soyons tout de même sereins. Moi, je suis confiant. J'ai dit que pour le moment, rien n'indique que ce monsieur peut se soustraire à la justice camerounaise. Et je sais, par expérience, que dans ce genre de situation, ce monsieur a sûrement des interdictions de sortie du territoire. Il n'est pas impossible pour lui qu'il échappe à des poursuites. Prince Ndibouche. Oui, tout à fait. Je vais un peu répondre à mon copanéliste Bessala qui dit « Je suis émotif ». Non, du tout, je ne suis pas émotif. Je donne juste les faits. Et pour poursuivre l'émission, je vais vous donner certains faits. Vous vous souvenez bien, en 2016... il y a un gendarme qui avait abattu ses compagnons d'armes à Koussiri. Mais nous sommes toujours dans le sujet. C'est les exemples. Je vais vous donner les exemples comme ça. Ce monsieur avait été relevé de ses fonctions. Il avait été révoqué de la gendarmerie. Aujourd'hui, à la prison de Maroua. Il purge sa peine à la prison de Maroua. En 2012, il y a eu un cas au marché de Nkol, ici en Kolo, au quartier Nkolbisson à Yaoundé. Il y a un monsieur qui s'appelle François Itundji. Il a été interpellé
et placé en garde à vue au à la brigade de gendarmerie de Nkolbisson. Le monsieur a été victime de tortures. Ça, c'est l'autopsie. Qui a révélé ça. Et on a inculpé deux gendarmes de la brigade de Nkolbisson. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, en 2020, cette procédure est toujours pendante au tribunal militaire de Yaoundé. Or, le commissaire du gouvernement a reculé la culpabilité de ces deux gendarmes. Donc c'est pour répondre aux gens qui disent qu'on doit attendre la justice à son temps. Il y a un autre cas, on a eu un cas récent au mois de mai 2020 dans la ville de Bafoussam. Il y a un commandant de brigade qui a également, bon, puisque je ne dois pas dire tuer, qui a également utilisé son arme à feu, je ne sais pas pour quelle intention. Et il y a un jeune qui est mort. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire avec exactitude où se trouve cette dame. Bon, je vous ai pris le premier exemple. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. Ça veut dire qu'un élément de la gendarmerie a abattu ses compagnons d'armes, mais il a été révoqué. Il a été révoqué et il purge sa peine aujourd'hui à la prison de Maroua. Mais sauf que c'était établi qu'il les a effectivement abattus parce qu'il y avait des témoins qui ont confirmé que. Quand les médecins font une autopsie et disent que le monsieur en question a été victime de. Il a été torturé dans la cellule. On a requis la culpabilité des deux gendarmes depuis 2016. Pourquoi on peut s'interroger pourquoi jusqu'en 2020 les gendarmes en question ne sont pas condamnés? Ils ont été affectés. La prochaine audience au tribunal militaire de Yaoundé, c'est le 7 octobre. Ils n'ont jamais été condamnés. On peut se poser des questions. Quand est-ce que la justice doit attendre jusqu'à quand? Alors, dans le cas précis sur le fait qui nous concerne, quels sont les faits qui accablent le sous-préfet, qui montrent clairement qu'il y a eu une intention délibérée on ne peut pas dire qu'il y avait une intention délibérée, mais on a dit ça au début de l'émission, que le sous-préfet... C'est une autorité administrative qui a normalement son arme de service. On ne sait pas pour quel objectif il y a une balle qui est partie, une balle, ça a ôté la vie à une jeune fille. Donc les faits sont graves à ce niveau-là, il y a eu mort d'homme. J'espère que sur les histoires où il y a eu mort d'homme, il faut quand même que ça soit traité avec une certaine célérité au niveau de la justice. On ne peut pas dire qu'il faut que l'enquête doit prendre assez du temps. Bon, je vous ai pris un cas... de la brigade de Nkolbisson qui date de 2012 jusqu'en 2020. Les gendarmes ont été affectés. Ils vaguent librement à leurs occupations. Alors, il y a eu un monsieur qui est décédé. Ses enfants n'ont même pas droit à la justice jusqu'à aujourd'hui. Peut-être ça viendra, mais jusqu'à quand? Mais là, on est en face des preuves, d'une part, et d'autre part, on spécule. On ne peut pas encore dire avec certitude, élément à l'appui, qu'il s'agit bel et bien d'un meurtre. Oui, ce que je voudrais dire, M. Guimbo, c'est que, vous savez, il y a une justice qui est qualifiée de populaire. C'est-à-dire que si on laisse chacun de nous établir la justice dans une société, il me semble que chacun de nous a une peine. Enfin, si on demande à chacun ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, de lui, vous suivrez beaucoup de choses. Maintenant, il y a une justice qui est institutionnelle, qui est donc menée et pilotée par des magistrats qui sont des experts de la chose. Ça veut dire que pendant qu'on parle de crime, on parle de meurtre, on parle d'assassinat, autre là, il y a déjà une enquête ou alors une expertise de médecins légistes qui est descendue du côté de Kribi qui a mené déjà ces travaux. Et ces travaux ont été rendus au niveau du commissaire du gouvernement. Quand ces travaux sont rendus, cette expertise est rendue au niveau du commissaire du gouvernement, il me semble qu'une fois réunies, toutes ces preuves réunies, va transmettre le dossier au niveau du juge d'instruction. Je ne sais pas si une mauvaise justice rendue du simple fait qu'il faut aller très vite sera meilleure dans ce cas qu'une justice qui va avec des éléments de manière parcimonieuse, de manière plutôt efficace. Et même si certains trouvent qu'elle est lente, je pense que celle-là est meilleure et mieux, encore acceptable par rapport à celle que le peuple veut. Il faudrait que, lorsque vous le dites, on va donner l'impression, peut-être qu'à la famille qui nous écoute, qu'il n'y a pas une volonté de rendre justice. Que non,
du tout. Je ne vois aucun intérêt pour un État comme le Cameroun de protéger quelqu'un que la justice va décider qu'il est coupable de telle ou de telle chose. Les exemples que vous prenez ces exemples-là, mais vous ne nous dites pas quelle est la décision de justice qui a été rendue. Est-ce qu'ils ont été relaxés au niveau de l'instruction? Est-ce qu'ils ont été jugés non coupables? Est-ce que vous ne dites pas? Vous dites simplement les gendarmes sont en cavale. Qu'est-ce que les gendarmes en cavale veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'État les a protégés, ils ont commis des crimes et que la victime n'a pas reçu la justice. Que non, il y a des étapes qu'il ne faut pas, on ne peut pas bâcler. Il y a des étapes de la procédure. Et parmi ces étapes, la plus cruciale, si vous ratez l'enquête préliminaire, si vous faites une mauvaise enquête préliminaire, alors, comme Meg vous l'a dit, le doute au niveau du jugement, certainement profitera à l'accusé que vous voulez voir condamné aujourd'hui. Il faudrait qu'on laisse les officiers de police judiciaire. Et pour le cas, il me semble, parce que j'ai lu un tas de choses là, il y a dans le code de justice militaire, pour des infractions bien précises comme celle-là, celles qui sont établies là, ou alors les chefs d'accusation là, il y a deux corps de police, d'officiers de police judiciaire. Il y a des officiers de police judiciaire qui sont militaires, qui sont exclusivement pour des infractions ou alors des chefs d'accusation qui tiennent de l'armée des opérations militaires et autres. Et il y a un autre corps d'officiers de police militaire civil ou militaire, c'est à l'appréciation du commissaire du gouvernement qui s'occupe de cela. Parce que j'ai entendu qu'il y a des civils qui sont dans les officiers, la brigade de gendarmerie simplement là, le commissaire de police et autres là. Il faut le dire, il faut le préciser. Parce que tout est dans les textes et dans la loi. Le code de procédure pénale de 2005 et le code de justice militaire de 2017 qui encadre cela. Je pense que c'est l'article 8 et le petit F et G précise très bien les infractions qui tiennent de la manipulation et ou alors de la commission des infractions avec l'aide des armes de catégorie première, deuxième, troisième et quatrième. Donc, je pense que la restitution des faits ayant déjà été effectuée à Tribi, l'opération des médecins légistes par l'expertise étant déjà effectuée et transmise au niveau du commissaire du gouvernement, la victime ayant déjà été inhumée, ça veut dire que si on inhume déjà le corps, les éléments ont déjà été bien concordés et bien positionnés. Maintenant, donnons l'occasion à la justice de faire son travail, que le jeune sous-préfet se défende. Bon, le citoyen, parce que là, il ne sera pas en qualité de sous-préfet, le citoyen va se défendre et la partie civile, la partie accusatrice et demander va aussi poser ses réclamations et ses prétentions et le juge souverainement va tabler, va statuer et va rendre la justice au nom du peuple camerounais comme le stipule l'article 38 de la Constitution. Le juge va travailler forcément sur la base des éléments concoctés, réunis par les OPJ, officiers de police judiciaire qui sont soit des gendarmes, soit des policiers. Oui. Mais dans le cas spécifique du tribunal militaire, il y a également des militaires qui auront cette spécificité. Alors maintenant, si on ne discute pas sur la compétence du tribunal militaire qui est compétent pour se saisir de cette affaire, on peut quand même également se poser des questions sur ce collectif qui s'est constitué comme ça et qui offre bénévolement ses services à la famille. Est-ce à dire que ce collectif a le sentiment qu'il y a des entreloupes dans cette affaire? Ils ont l'intention de pouvoir clarifier cela ou amener cela au grand jour. Vous me posez, vous me renvoyez là une patate chaude. Mais je voudrais corriger un glissement de langage qui peut donner l'impression à ceux qui nous suivent, et ça c'est important que ça soit rapidement exfiltré, que l'enquêteur judiciaire serait préjudiciable aux victimes. En réalité, moi je pourrais dire qu'il faut éviter pour le ministère public de tomber dans une situation où il y a des poches d'air dans un dossier. Des hommes d'ombre. En réalité, quand il y a des hommes d'ombre, ça pose problème. Parce que vous avez l'impression que vous avez un coupable parfait devant vous et qui peut échapper parce que justement, il y a une erreur de procédure qui s'est glissée. C'est... Moi j'aime à dire, et je me plains là-dedans, que la justice c'est comme la pierre de Dieu. Elle écrase lentement. Elle écrase lentement. Et puis, il y a l'enfermement dans la conscience.
Je voulais arriver à votre question, n'ayez pas l'impression que je vais l'éluder. Il y a la conscience. L'intention d'abandonner aussi. Il y a ce qu'on appelle la conscience. Notre plus grand juge, c'est notre conscience. Profitons de cette antenne pour nous adresser aussi à ce sous-préfet. Dans quelles circonstances on devrait pouvoir nettoyer son arme en présence d'une personne? C'est autant de choses qui font en sorte que les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Honnêtement. Il y a tellement d'hommes en tenue, il y a tellement de personnes qui portaient d'armes. Si tout le monde devait se comporter comme il s'est comporté, nettoyer son arme devant son épouse ou bien devant ses enfants, on aura tellement de morts sur le carreau. C'est ça qui laisse, n'est-ce pas, le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et il faut chercher, mais sauf que nous ne sommes pas des dieux. Et c'est important de le dire ici. Rendez-vous compte. Ce que les confrères ont posé comme acte, ce n'est pas la première fois. C'est un acte fort. C'est un acte fort et qui doit rassurer les justiciables qu'effectivement, chaque fois qu'on peut porter une cause, c'est une cause qui devient noble. Parce que je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la mauvaise défense ou bien la mauvaise version qui peut laisser croire qu'il y aurait ce qu'on appelle anguille sur roche. Dire que je nettoyais mon âme et puis le coup de feu est parti, c'est ça qui pose problème et qui donne justement l'occasion aux confrères de dire: il faut qu'on fouille davantage. On peut se souvenir des cas encore, comme Ateke. Ce sont les avocats, c'est un collectif qui a porté ça. Et puis on a eu les solutions. Des enfants disparus. Les avocats, une fois de plus. Et puis, ça, je vous fais une confidence. N'allez le dire à personne. Moi, honnêtement, je m'éclate mieux quand je suis pas retibé dans un dossier. Je m'éclate mieux. Parce que je n'ai pas l'impression d'être lié. Parce que nous n'avons pas, comme avocat, une obligation de résultat. Rendez-vous compte, quand on vous a quand même honoré, n'est-ce pas, en vous payant ce qu'on appelle les honoraires, vous avez l'impression, à un moment donné, de vivre à la place de vos clients. Par contre, quand je me constitue ce qu'on appelle en droit amoukouskourié, ça veut dire que je me constitue volontairement sans attendre une rétribution, je m'épanouis. Et quand je vais parfois parler de justice, je vais faire du spectacle. Mais du spectacle juridique, pour rechercher la vérité. Et en ce moment, on est, comme on dirait, Césaire, la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. En réalité, on a l'impression que les souffrances, on les porte. Et c'est le cas ici. Parce que, rendez-vous à l'évidence, si on devait se rendre dans une situation philosophique, on pourrait dire que, pour ceux qui sont un peu aisés, la justice vous rendra blanc ou noir. Vous rendra blanc ou noir. Oui. Ça pose problème. C'est la raison pour laquelle je dis les confrères se sont levés et c'est fort à propos. C'est important quand il y a une situation comme ça dans la société de rassurer tout le monde et de savoir en même temps que pour nous les avocats, on a choisi d'abord de défendre les faibles. Et chaque fois qu'un faible est attaqué, c'est la société toute entière qui est attaquée. Et la justice, le miroir de la société. Donc on a aujourd'hui la nette impression que nous vivons dans une situation de droit et que pour ceux qui peuvent, par leur faiblesse financière, ne pas se payer les services d'un avocat, ils ont tout de même le bénéfice de la défense. Et c'est ça qui est rassurant. Et ça n'enlève rien, parce que j'ai d'abord dit au début de mon propos, à l'aune de mon propos, pour dire que le sous-préfet reste présumé innocent. Mais c'est l'occasion de dire ici qu'au-delà de toute chose, il y a la conscience. On ne sera pas les dieux pour savoir ce qui s'est passé. Lui seul sait ce qui s'est passé. Et pour se libérer, parce que porter un lourd fardeau comme ça, c'est la vie. Je vais vous faire une confidence, une autre, parce qu'aujourd'hui, c'est... Ce sera une dernière. Oui, aujourd'hui, c'est comme vous on êtes, pourrait dire... Vous êtes un peu... C'est comme une journée de sabbat. Vous êtes très gentil. C'est une journée de grâce pour moi. Vous faites beaucoup. J'ai eu le bonheur de porter une tenue que j'aime et j'affectionne. Et j'ai eu la chance, sans qu'on ait jamais rien prédit, de trouver que tout le monde est habillé de la même manière. Alors, je peux me lâcher pour faire des confidences. J'ai eu un dossier très important avec mort d'homme, accident de circulation. C'est un policier qui avait tué une belle maman. Mais il a trouvé moyen de fuir et d'aller camoufler sa voiture. C'était du côté de Bolova. Mais à côté des enquêtes judiciaires, j'avais ouvert une enquête personnelle. Parce qu'il était question pour moi de retrouver celui qui avait fait ça. Et le jour que je suis tombé sur ce monsieur, il m'a regardé de face, il s'est mis à couler les larmes. Il dit: monsieur, vous êtes enfermé seul dans une prison, allez vous libérer. Je ne vous ferai rien, je ne ferai même pas de procédure contre vous. Je sais qui vous êtes. Et chaque fois que vous me verrez devant vous, vous serez en face de votre conscience, c'est votre miroir. Alors, est-ce le but ou les retombées recherchées par ce collectif mis sur pied?
Le collectif Mis sur pied, qui est conduit par Maître Dominique Fous, que nous connaissons tous, a pour objectif un peu qu'on puisse dire à la manifestation de la vérité dans ce dossier. Ce n'est pas un autre objectif, ce n'est pas une déstabilisation ou ce n'est pas une façon de mettre de l'huile dans le feu. Mais au moins, comme je disais au début de l'émission, il y a eu mort d'homme. Les faits sont suffisamment graves. Il faut au moins qu'il y ait une justice qui va apaiser les cœurs. Donc je pense que c'est pour cet objectif qu'une dizaine d'avocats ils se sont constitués un peu pour protéger également les intérêts de la famille. Déjà, à partir de demain, selon les explications de Maître Dominique Fous, une plainte sera déposée au tribunal militaire de Belova. C'est un peu ça le début de la procédure. Et on peut aussi également rappeler que cet avocat, ce n'est pas sa première constitution dans ces histoires de collectif. Elle avait déjà défendu Monique Koumatekel, les victimes de la catastrophe ferroviaire des ECA. Je pense qu'elle suit. Il y a également une autre procédure judiciaire défendue. C'est une avocate des causes défendues. Exactement. C'est une, elle défend actuellement une procédure au tribunal de Consamba. Il y a une jeune fille de 7 mois qui a été sodomisée, elle est morte. Et je crois que c'est en fait ça l'objectif de ce collectif. Qui va se branler dès demain. Dès demain, à Ebolo va au tribunal militaire. Ok. D'accord, ce sera notre dernier tour de table. Que peut-on ou que doit-on attendre de ce collectif? Est-ce que à travers ce collectif, la vérité pourra finalement jaillir? C'est que les officiers de police judiciaire n'ont peut-être pas pu faire. Est-ce que les avocats, eux, constitués en collectif, pourront ramener au devant de la scène la vérité par rapport à cet incident? Vous savez, les avocats sont des auxiliaires de la justice. Donc, ils sont un maillon, ils constituent un maillon essentiel pour la bonne marche et le bon rendu de la justice. Ça veut dire qu'ils apportent aussi, par leur contribution, des éléments qui peuvent aider le juge à opérer une bonne décision, à rendre une bonne décision. Mais ce que je voudrais appuyer d'abord, c'est que, comme elle parlait de la conscience, il ne s'agit pas nullement simplement de la conscience du sous-préfet, mais il y a aussi la conscience des juges qui seront chargés à partir de l'instruction jusqu'au jugement de cette affaire, parce qu'ils n'auront que la loi et leur conscience. Là, on ne va pas dire que c'est le gouvernement, pas la chancellerie et le ministère public qui influent et qui, et lorsque l'enquête préliminaire sera bouclée ou est déjà bouclée, rendue au niveau de l'instruction, l'État ne sera plus, ou alors le ministère de la Justice n'aura plus de poids à jouer là-dedans. Les juges d'instruction et les juges de jugement n'auront que la loi et leur conscience. Et donc, cette conscience-là, j'appuie encore, je joue ma voix à celle de Maître pour appeler cette conscience aussi de ces juges-là, parce qu'ils auront la responsabilité à la fois historique et sociétale, à la fois de régler dans cette situation et de redonner un tout petit peu, un grand espoir à cette famille qui a perdu sa fille unique. Il faut le rappeler. Et donc, la jonction de procédure, parce qu'il doit avoir une jonction de procédure certainement, si Maître était là, il pouvait nous dire ce qu'il compte faire, parce qu'il y a déjà une procédure qui est menée par le ministère public. Je réponds donc à vos questions en disant que même s'il n'y avait pas constitution de ce collectif d'avocats, le ministère public, à travers le commissaire de gouvernement, pilote déjà l'affaire, poursuit déjà le présumé coupable, et dans cette logique-là, la manifestation de la vérité devrait toujours s'opérer. Maintenant, le fait qu'il y ait une deuxième plainte, bon, je ne sais pas s'ils veulent faire une jonction de procédure, il faut éclairer en disant que pour ce qui est du tribunal militaire ou alors la procédure... Est-ce que la jonction, je pose la question à Maître, jonction de procédure est obligatoire? Non, il y a deux. Nous disons que nous ne sommes pas encore, nous ne mettons pas la charrière avant les bœufs. Vous parlez de jonction de procédure, il faut déjà qu'il y ait une autre procédure qui soit à l'instruction. Et puis en termes de phase, un même degré avant que nous parlions de jonction de procédure. Maintenant, ce que je voudrais dire, si vous m'avez déjà passé la parole. Non, pas encore. Juste cette précision pour qu'il termine son propos. Oui, je voulais donc terminer en disant que pour s'il arrive, parce que comme mec n'est pas là, il devrait un peu plus nous dire ce qu'il compte faire, puisqu'il y a une procédure qui est déjà à un certain niveau, ils engagent une nouvelle. Bon, s'il y a donc deux types, vous avez, il y a une jonction qui est de l'indivisibilité, parce que dans ce sens-là,
cas, il faudra bien constater qu'il y a certains actes ou alors certaines infractions qui ont été posées dans le même sens dans la commission de l'acte. Parce que j'ai suivi certains témoignages là, de la famille qui disait qu'il y a eu déjà un échange sans influencer l'enquête. Il y a eu un échange entre les deux tourteaux qui ont discuté longuement au téléphone avec violence. Elle s'est dépêchée, elle est sortie tardivement dans la nuit selon sa tante et elle s'est retrouvée avec son amant et au clair ou alors son copain ou son fiancé. Et donc, ça veut dire que dans ce sens-là, s'il y a eu des actes avec les motifs que j'ai vus, l'agression sur femme et autres, là on pourra parler d'indivisibilité. Mais l'autre possibilité, pour chuter, c'est ce qu'on appelle la connexité. La connexité, là, il n'y a pas forcément besoin du fait que les actes que vous avez posés avant ou après vous aient conduit à commettre l'acte. Donc, maintenant, Maggie, à ce niveau de l'affaire, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Les leçons qu'on peut tirer pour le bien de la procédure, et comme je l'ai indiqué, pour éviter qu'il y ait des poches d'air, il serait intéressant qu'on ne confonde pas vitesse et précipitation. Et comme je l'ai indiqué, le plus important, c'est qu'on soit à 90% ou à 95% certain de ce que la personne qui sera condamnée est la bonne. D'accord, et qu'il n'y ait pas des indices qui laissent croire que effectivement la personne serait non coupable. Maintenant, comme c'est le dernier tour de table, je dirais en même temps, et ça c'est important, que les uns et les autres le sachent, dans une situation comme celle-là, j'aime à dire que la vérité va triompher. Il faut que nous fassions confiance à nos juges. Parce que c'est des dossiers sensibles. Et quand on plaide ce genre de dossier, parfois on les plaide avec le cœur. Moi, parfois, quand je plaide ce genre de dossier, je regarde les juges dans les yeux. Nous parlons. Les esprits éveillés se parlent. Et c'est là la beauté de notre métier. Je suis convaincu que la salle d'audience sera pratiquement un réceptacle. Ça sera comme pour certains, une salle de spectacle. Mais pour les avocats, ça sera une salle de spectacle parce qu'on ne joue pas avec la vie. Et rien ne remplace la vie. Parce qu'on se posait la question, qu'est-ce que la partie civile cherche? Est-ce seulement le plaisir de dire que tel est là en prison? Est-ce la réparation? Parce qu'en matière civile, on vous dira que l'argent essuie les larmes. Mais c'est rien de tel. C'est la recherche de la vérité. Parce que pour faire bien le deuil de quelqu'un qui est décédé, il faut savoir de quoi la personne est décédée. Alors, Dubous, on sort par là. La famille qui promet vengeance, est-ce que avec la mise sur pied de ce collectif, cela va temporiser les ardeurs de la famille? Non, tout à fait. Je ne pense pas que la famille... pour mes vengeances. On a suivi les extraits. On a suivi les extraits. Nous sommes dans un état de droit. Je pense que c'est la justice qui sera à mesure de nous donner un peu les contours de cette affaire. Nous espérons seulement que le collectif qui a été mis en place puisse travailler et qu'il soit accompagné par les autres organisations de défense des droits de l'homme. Et pour mon dernier mot, quand même, je vais également expliquer une autre préoccupation qui me très rapidement, on a pris beaucoup de temps. En 5 secondes, c'est que je ne peux plus aller dans mon village à Sombengue, en Banda, plus pratiquement à cause de l'exploitation illégale des forêts. Si les autorités peuvent faire en sorte que l'exploitation illégale des forêts dans mon village, Mbanda plus particulièrement, trouve une solution pour qu'on puisse se déplacer. Là, c'est une belle tribune pour parler de ça. Pour aller enterrer les cadavres, on est obligé de porter les... D'accord. Ok, je crois que ça c'est une belle pirouette que vous avez réussi à sortir par là. Bessala, merci. Oui, merci. Et demander à la famille de faire confiance à la justice, de ne pas prêter oreille à ce... parce que vous avez bien fait, et je vous félicite, M. Bouba, d'avoir mis très rapidement ce sujet sur la table et avec les éclaircies de Maître et Oukla, tout le monde là. Je pense bien que les récupérateurs traditionnels... Canal.